Je ne sais pas quand je me guérirai de ma maladresse, mais je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me rappeler votre jour et toutes les fois que j'ai envie de vous voir, cela ne manque jamais d'être un mardi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire Non, mais en le supposant, je ne le pourrai pas car c'est un hasard que vous soyez seul et vous allez avoir d'ici à un quart d'heure une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis. Il est vrai que c'est aujourd'hui, mon jour. Et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. C'est une mode qui a pourtant sa raison. Nos mères laissaient leurs portes ouvertes. La bonne compagnie n'était pas nombreuse et se bornait pour chaque cercle à une fournée d'ennuyeux qu'on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu'on reçoit, on reçoit tout Paris. Et tout Paris, autant nous sommes. C'est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourg. Quand on est chez soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remède. De là vient que chacun a son jour. C'est le seul moyen de se voir le moins possible. Et quand on dit Je suis chez moi le mardi, il est clair que c'est comme si on disait Le reste du temps laissez-moi tranquille. Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Prenez votre parti et mettez-vous là. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez. Sinon chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui. Vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Et qu'avez-vous donc Ah, vous me semblez. Quoi Pour ma gloire, je ne veux pas le dire. Ma foi, je vous l'avouerai, avant d'entrer ici, je l'étais un peu. Quoi Je vous le demande à mon tour. Vous fâcherez-vous si je vous le dis J'ai un bal ce soir où je veux être jolie, je ne me fâcherai pas de la journée. Eh bien, j'étais un peu ennuyée. Je ne sais ce que j'ai, c'est un mal à la mode, comme vos réceptions. Je me désole depuis midi, j'ai fait quatre visites sans trouver personne, je devais dîner quelque part, je me suis excusé sans raison, il n'y a pas un spectacle ce soir, je suis sorti par un temps glacé, je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes, je ne sais que faire, je suis bête comme un feuilleton. Je vous en offre autant, je m'ennuie à crier. C'est le temps qu'il fait, sans aucun doute. Le fait est que le froid est odieux, l'hiver est une maladie. Les badauds voient le pavé propre, le ciel clair et quand un vent bien sec leur coupe les oreilles, ils appellent cela une belle gelée. C'est comme qui dirait une belle fluxion de poitrine. Bien obligé de ces là. Je suis plus que de votre avis. Il me semble que mon ennui me vient moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les autres respirent. C'est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir trente ans et je perds le talon de vivre. Je n'ai jamais eu ce talent-là. Et ce qui m'épouvante, c'est que je le gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou, et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. Oh, sonnez Pour qu'on mette une bûche au feu, je... Votre idée me gèle. Ce n'est pas la peine. On sonne à la porte et votre procession arrive. Voyons quelle sera la bannière. Et surtout, tâchez de rester. Non, décidément, je m'en vais. Où allez-vous Je n'en sais rien. Adieu, madame. À jeudi soir. Pourquoi jeudi? N'est ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite visite. Je ne veux pas de vous. Vous êtes trop maussade. D'ailleurs, j'y mène monsieur Camus. Monsieur Camus, votre voisin de campagne. Oui. Il m'a vendu des pommes et du foin avec beaucoup de galanterie, et je veux lui rendre sa politesse. C'est bien vous, par exemple. L'être le plus ennuyeux. On devrait le nourrir de sa marchandise. Et à propos, savez-vous ce qu'on dit Non, mais on ne vient pas. Qui donc avait sonné Personne, une petite fille, je crois, avec un carton, je ne sais quoi, une blanchisseuse. Elle est là dans la cour qui parle à vos gens. Vous, vous appelez cela, je ne sais quoi. Vous êtes poli, c'est mon bonnet. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi et de Monsieur Camus Et fermez donc cette porte, il vient un vent horrible. On dit que vous pensez à vous marier, que M. Camus est millionnaire et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité, pas plus que cela. Et vous me dites ça au nez, tout bonnement? Je vous le dis parce qu'on en parle. C'est une belle raison. Est ce que je vous répète tout ce qu'on dit de vous aussi par le monde? De moi, madame? Que peut on dire, s'il vous plaît, qu'il ne puisse pas se répéter? Et vous voyez bien que tout peut se répéter, puisque vous m'apprenez que je suis à la veille d'être annoncée madame Camus. Ce qu'on dit de vous est au moins aussi grave, car il paraît malheureusement que c'est vrai. Quoi donc Vous me feriez peur. Preuve de plus qu'on ne se trompe pas. Expliquez-vous, je vous en prie. Oh Pas du tout, ce sont vos affaires. Je vous en supplie, Marquise. Je vous le demande en grâce. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire non, madame, je dis la personne, celle dont l'esprit, le sentiment. Oh, la... Au ciel, vous allez faire une phrase. Pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment vous ne voulez rien voir. Voir quoi Cela s'entend, de reste. Je n'entends que ce qu'on me dit, et encore pas des deux oreilles. Vous <laughs> riez de tout. Mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyant presque tous les jours, faites comme vous êtes avec. Votre esprit, votre grâce et, et votre beauté. Oh, mais mon Dieu, mais c'est bien puis qu'une phrase, c'est une déclaration que vous me faites là, avertissez au moins. Est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année Et si c'était une déclaration Oh, c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais au bal, je suis exposée à en entendre ce soir et ma santé ne me permet pas ces choses-là deux fois par jour. En vérité, vous êtes décourageante, et je me réjouirai de bon cœur quand vous y serez prise à votre tour. Moi aussi, je m'en réjouirai. Je vous jure qu'il y a des instants où je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chagrin. Oh, tenez, j'étais comme ça. Pendant qu'on me coiffait, pas plus tard que tout à l'heure, je poussais des soupirs à me fendre l'âme de désespoir de ne penser à rien. Raillez, raillez, vous y viendrez. C'est bien possible. Nous sommes tous mortels. Si je suis raisonnable, à qui la faute Je vous assure que je ne m'en défends pas. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour Non. Oh, je suis très bonne personne, mais quant à cela, c'est pas trop bête. <laughs> Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que signifie cette chose-là, faire la cour à une femme Cela signifie que cette femme vous plaît et qu'on est bien aise de le lui dire. À la bonne heure Mais cette femme cela lui plaît il à elle de vous plaire? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de m'en faire part. Eh bien, et après? Qu'est ce que cela prouve? Est ce une raison pour que je vous aime? J'imagine que si quelqu'un me plaît, ce n'est pas parce que je suis jolie. Qui gagne t-il à ces compliments? La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête comme une poupée dans un étalage, et de lui dire bien agréablement « Madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, et voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour, fidon. Comment un homme d'esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries là-haut, mais en colère quand j'y pense ?»« Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. »« Ma foi, si. Il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour se figurer qu'on la charme avec de pareils ingrédients. » Croyez vous que ce soit bien divertissant de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises, d'avoir du matin au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble en vérité que si j'étais homme, si je voyais une jolie femme, je me dirais Voilà une pauvre créature qui doit être bien assommée de compliments, je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle, et si je voulais essayer de lui plaire, je lui ferais l'honneur de lui parler d'autre chose que de son malheureux visage, mais non, toujours, vous êtes jolie. Oh, et puis vous êtes jolie. Encore jolie. Et mon Dieu, on le sait bien. Voulez-vous que je vous dise Vous autres hommes à la mode, vous n'êtes que des confiseurs déguisés. Eh bien, madame, vous êtes charmante. Prenez-le comme vous voudrez. On sonne de nouveau. Adieu, je me sauve. Attendez donc, j'avais à vous dire. Je ne sais plus ce que c'était. Euh... Ah Passez-vous par hasard du côté de Fossin dans vos courses Ce ne sera pas par hasard, madame, si je puis vous être bon à quelque chose. Encore un compliment, mon Dieu, que vous m'ennuyez. C'est une bague que j'ai cassée. Je pourrais bien l'envoyer tout bonnement, mais c'est qu'il faut que je vous explique. Tenez, voyez-vous, c'est le chaton. Il y a là une petite pointe. Vous voyez bien, n'est-ce pas Eh bien, ça s'ouvrait, de côté, par là. Je l'ai heurté ce matin, je ne sais où, et le ressort a été forcé. Dites donc, marquise. Sans sa discrétion, il y avait des cheveux là-dedans. Peut-être bien, qu'avez vous à rire? Oh, je ne ris pas le moins du monde. Vous êtes un impertinent. Ce sont les cheveux de mon mari. Je n'entends personne qui dont avait sonné encore. Une autre petite fille, un autre carton. Encore un bonnet, je suppose. À propos, avec tout cela, vous me devez une confidence. Fermez donc cette porte, vous me glacez. Je m'en vais. Mais vous me promettez de me répéter ce qu'on vous a dit de moi, n'est-ce pas, marquise Venez ce soir au bal, nous causerons. Ah, parbleu, oui. Causer dans un bal. Je lis en droit de conversation avec accompagnement de trombone et un tintamarre de verre d'eau sucrée. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous pousse le coude, pendant qu'un laquais tout poissé vous fourre une glace dans votre poche. Je vous demande un peu si c'est là. Voulez-vous rester ou sortir Je vous répète que vous m'enrhumez. Puisque personne ne vient, qu'est-ce qui vous chasse C'est que je me sens, malgré moi, de si mauvaise humeur que je crains vraiment de vous excéder. Il faut décidément que je cesse de venir chez vous. C'est honnête. Et à propos de quoi Je ne sais pas, mais je vous ennuie. Vous le disiez vous-même tout à l'heure et je le sens bien, c'est très naturel. C'est ce malheureux logement que j'ai là en face. Je ne peux pas sortir sans garder vos fenêtres. Et j'entre ici machinalement, sans réfléchir à ce que j'y viens faire. Si je vous ai dit que vous m'ennuyiez ce matin, c'est que ce n'est pas une habitude. Sérieusement, vous me feriez de la peine. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir. Vous? Pas du tout. Savez vous ce que je vais faire? Je vais retourner en Italie. Ah. Qu'est ce que dira mademoiselle? Quelle demoiselle, s'il vous plaît? Mademoiselle, je ne sais qui, mademoiselle, votre protégée. Est ce que je sais le nom de vos danseuses? Ah, c'est donc là ce beau propos qu'on vous a tenu sur mon compte. Précisément, est-ce que vous niez C'est un compte à dormir debout. Il est fâcheux qu'on vous ait vu très distinctement au spectacle avec un certain chapeau rose à fleurs, comme il n'en fleurit qu'à l'opéra. Vous êtes dans les cœurs, mon voisin. Cela est connu de tout le monde. Comme votre mariage avec Monsieur Camus. Vous y revenez. Eh bien, pourquoi pas Monsieur Camus est fort honnête homme. Il est plusieurs fois millionnaire. Son âge, assez respectable, et juste à point pour un mari. Je suis veuve, il est garçon, il est très bien quand il a des gants. Et un bonnet de nuit, cela doit lui aller. Voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on parle de choses pareilles? Dame, à quelqu'un qui peut les voir. Ce sont apparemment ces demoiselles qui vous apprennent ces jolies façons-là. Tenez, marquise, je vous dis adieu. Vous me feriez dire quelques sottises. Mais quelle est cette délicatesse? Non, mais en vérité, vous êtes trop cruel. C'est bien assez de défendre qu'on vous aime sans m'accuser d'aimer ailleurs. De mieux en mieux. Quel ton tragique. Moi, je vous ai défendu de m'aimer. Certainement, de vous en parler, du moins. Eh bien, je vous le permets. <laughs> Voyons votre éloquence. Si vous le disiez sérieusement. Que vous importe, pourvu que je le dise C'est que... Tout en riant, il pourrait bien avoir quelqu'un ici qui courut des risques. Ah, de grands périls, monsieur. Peut-être, madame, mais par malheur, le danger ne serait que pour moi. Quand on a peur, on ne fait pas le brave. Eh bien, voyons. Vous ne dites rien. Vous me menacez, je m'expose, et vous ne bougez pas. Je m'attendais à vous voir au moins vous précipiter à mes pieds, comme Rodrigue, ou M. Camus, lui-même, il y serait déjà à votre place. Cela vous divertit donc beaucoup de vous moquer du pauvre monde? Et vous, cela vous surprend donc bien de ceux qu'on ose vous braver en face? Prenez garde. Si vous êtes brave, j'ai été hussard, moi, madame. Je suis bien aise de vous le dire, et il n'y a pas encore si longtemps. Vraiment. Eh bien, à la bonne heure. Une déclaration de hussard. Cela doit être curieux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voulez-vous que j'appelle ma femme de chambre Je suppose qu'elle saura vous répondre. Vous me donnerez une représentation. Encore cette sonnerie. Adieu donc, marquise. Je ne vous en tiendrai pas quitte au moins. À ce soir, toujours, n'est-ce pas Qu'est-ce donc que ce bruit que j'entends C'est le temps qui vient de changer. Il pleut. Et il grêle à faire plaisir. On vous apporte un troisième bonnet et je crains bien qu'il n'y ait un rhume dedans. Mais ce tapage-là, est-ce que c'est le tonnerre <laughs> En plein mois de janvier, et les almanachs Non, c'est seulement un ouragan, une espèce de trompe qui passe. C'est effrayant. Mais fermez donc la porte. Enfin, vous ne pouvez pas sortir de ce temps-là. Qu'est-ce qui peut produire une chose pareille Madame, c'est la colère céleste qui châtie les carreaux de vitre, les Parapluies, les mollets des dames et les tuyaux de cheminée. Et mes chevaux qui sont sortis Il n'y a pas de danger pour eux s'il ne leur tombe rien sur la tête. Plaisantez donc à votre tour. Je suis très propre, moi, monsieur. Je n'aime pas à crotter mes chevaux. C'est inconcevable. Tout à l'heure, il faisait le plus beau ciel du monde. Vous pouvez bien compter, par exemple, qu'avec cette grêle, vous n'aurez personne. Voilà un jour de moins parmi vos jours. Non pas, puisque vous êtes venu. Alors, posez donc votre chapeau qui m'impatiente. Un compliment, madame Prenez garde, vous qui faites profession de haïr, on pourrait prendre les vôtres pour la vérité. Mais je vous le dis, et c'est très vrai. Vous me faites grand plaisir en venant me voir. Alors, laissez-moi vous aimer. Mais je vous le dis aussi, je le veux bien. Celle-là ne me fâche pas le moins du monde. Alors, laissez-moi vous en parler. À la hussarde, n'est-il pas vrai Non, madame. Soyez convaincue qu'à défaut de cœur, j'ai assez de bon sens pour vous respecter. Mais il me semble qu'on a bien le droit, sans offenser une personne qu'on respecte. d'attendre que la pluie soit passée, n'est-ce pas <laughs> Mais vous êtes entrée ici tout à l'heure sans savoir pourquoi vous l'avez dit vous-même. Vous étiez ennuyée, vous ne saviez que faire, vous pouviez même passer pour assez grognon. Si vous aviez trouvé ici trois personnes, les premières venues là, au coin du feu, vous parleriez alors qu'il est littérature ou chemin de fer, et après quoi vous iriez dîner. C'est donc parce que je me suis trouvée seule que vous vous croyez tout à coup obligé, oui, obligée, pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si ridicule et si rebattue. Enfin, qu'est ce que je vous ai donc fait? Qu'il arrive ici une visite, vous allez peut-être avoir de l'esprit mais je suis seule et vous voilà plus banal qu'un vieux couplet de vaudeville. Et vite, vous abordez votre thème. Et si je voulais vous écouter, vous m'exhiberiez une déclaration, vous me réciteriez votre amour. Enfin, savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas De ces pauvres auteurs sifflés qui ont toujours un manuscrit dans leur poche, quelques tragédies inédites et injouables, et qui vous tirent cela pour, pour vous en assommer dès que vous êtes seul un quart d'heure avec eux. Ainsi, vous me dites que je ne vous déplais pas. Je vous réponds que je vous aime, et puis c'est tout, à votre avis. Mais vous ne m'aimez pas plus que le grand turc. Oh, par exemple, c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et si vous ne me croyez pas sincère. Ah non, 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 non. Et non, non, mon Dieu. Enfin, croyez-vous que je ne sache pas ce que vous pourriez me dire J'ai très bonne opinion de vos études. Mais, parce que vous avez de l'éducation, pensez-vous que je n'ai rien lu Tenez, je connaissais un homme d'esprit qui avait acheté, je ne sais où, une collection de 50 lettres, assez bien faites, très proprement écrites, des lettres d'amour, bien entendu. Ces 50 lettres étaient graduées de façon à composer une sorte de petit roman, où toutes les situations étaient prévues. Il y en avait pour les déclarations, pour les dépits, pour les espérances, pour les moments d'hypocrisie où on se rabat sur l'amitié. Pour les brouilles, pour les désespoirs, pour les instants de jalousie, <laughs> pour la mauvaise humeur, même pour les jours de pluie comme aujourd'hui. J'ai lu ces lettres. L'auteur prétendait, dans une sorte de préface, en avoir fait usage pour lui-même et n'avoir jamais trouvé une femme qui résista plus tard que le 33e numéro. Eh bien, <laughs> j'ai résisté, moi, à toute la collection. Alors, je vous demande si j'ai de la littérature. Et si vous pourriez vous flatter de m'apprendre quelque chose de nouveau Vous êtes bien blasé, Marquise. Des injures. Mais j'aime mieux ça. C'est moins fade que vos sucreries. Oui, en vérité, vous êtes bien blasé. Vous le croyez Eh bien, pas du tout. Comme une vieille Anglaise, mère de quatorze enfants. Comme la plume qui danse sur mon chapeau. Vous vous figurez donc que c'est une science bien profonde que de vous savoir tous par cœur Mais il n'y a pas besoin d'étudier pour apprendre. Il n'y a qu'à vous laisser faire. Réfléchissez, c'est un calcul bien simple. Les hommes assez braves pour respecter nos propres oreilles, pour ne pas tomber dans la sucrerie, sont extrêmement rares. D'un autre côté, il n'est pas contestable que dans ces tristes instants où vous tâchez de mentir pour essayer de plaire, vous vous ressemblez tous comme des capucins de cartes. Heureusement pour nous, la justice du ciel n'a pas mis à votre disposition un vocabulaire très varié. Vous n'avez tous, comme on dit, qu'une chanson en sorte que le seul fait d'entendre les mêmes phrases, la seule répétition des mêmes mots, des mêmes gestes apprêtés, des mêmes regards tendres, le spectacle seul de ces figures diverses qui peuvent être plus ou moins bien par elles mêmes, mais qui prennent toutes, dans ces moments funestes, la même physionomie humblement conquérante. Cela nous sauve par l'envie de rire, ou du moins par le simple ennui. Si j'avais une fille, si je voulais la préserver de ces entreprises qu'on appelle dangereuses, je me garderais bien de lui défendre d'écouter les pastorales de ses valseurs. Je lui dirais seulement N'en écoute pas un seul, écoute-les tous. Ne ferme pas le livre et ne marque pas la page. Laisse-le ouvert. Laisse ces messieurs de raconter leurs petites drôleries. Si par malheur il y en a un qui te plaît, ne t'en défends pas. Attends seulement. Il en viendra un autre, tout pareil, qui te dégoûtera de tous les deux. Tu as quinze ans, je suppose Eh bien, mon enfant, cela ira jusqu'à trente et ce sera toujours la même chose. Voilà mon histoire et ma science. Appelez-vous ça être blasé Horriblement. Si ce que vous dites est vrai, et cela semble si peu naturel que le doute pourrait être permis. Que ça me fait que vous me croyez ou non Encore mieux. Est-ce bien possible Quoi, à votre âge, vous méprisez l'amour les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un méchant roman Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent une comédie Vous vous piquez de dire vrai et vous ne voyez que mensonges dans les autres. D'où revenez-vous donc, Marquise Qu'est-ce qui vous a donné ces maximes-là Je reviens de loin, mon voisin. Oui, de nourrice. Les femmes s'imaginent qu'elles savent toutes choses au monde. Elles ne savent rien du tout. Je vous le demande à vous même. Quelle expérience pouvez vous avoir? Celle de ce voyageur qui à l'auberge avait vu une femme rousse et qui écrivait sur son journal Les femmes sont rousses dans ce pays ci. Je vous avais prié de mettre une bûche au feu? Être prude cela se conçoit. Dire non, se boucher les oreilles, haïr l'amour cela se peut. Mais le nier, quelle plaisanterie. Vous découragez un pauvre diable en lui disant Je sais ce que vous allez me dire. Mais n'est il pas en droit de vous répondre? Oui, madame, vous le savez peut-être, et moi aussi. Je sais ce qu'on dit quand on aime, mais je l'oublie en vous parlant. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais je dis à mon tour Qu'est ce que cela prouve? À la bonne heure, au moins. Vous parlez très bien. À peu de choses près, c'est comme un livre. Oui, je parle, et je vous assure que si vous êtes tel qu'il vous plaît de le paraître, je vous plains très sincèrement. À votre aise. Faites comme chez vous. Il n'y a rien là qui puisse vous blesser Si vous avez le droit de nous attaquer, n'avons-nous pas raison de nous défendre Quand vous nous comparez des auteurs sifflés, quels reproches croyez-vous nous faire Mon Dieu, si l'amour est une comédie. Le feu ne va pas, la, la bûche est de travers. Si l'amour est une comédie, cette comédie, vieille comme le monde, sifflée ou non, est au bout du compte ce qu'on a encore trouvé de moins mauvais. Les rôles sont rebattus, j'y consens, mais si la pièce ne valait rien Tout l'univers ne la saurait pas par cœur. Et je me trompe en disant qu'elle est vieille. Est-ce être vieux que d'être immortel Monsieur, voilà de la poésie. Non, madame, mais ces fadaises, ces balivernes qui vous ennuient, ces, ces compliments, ces déclarations, tout sera de tâche, sont de très bonnes anciennes choses convenues, si vous voulez. Euh, fatigantes ridicule parfois, mais qui en accompagne une autre, laquelle est toujours jeune. Vous vous embrouillez, qu'est-ce qui est toujours vieux, qu'est-ce qui est toujours jeune L'amour Ah monsieur, voilà de l'éloquence. Non madame, je veux dire ceci, que l'amour est immortellement jeune et que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces romans qui vous sortent du cœur, on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage... Tout cet attirail. C'est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres. C'est le caquet de l'antichambre d'un roi. Tout cela passe, mais ce roi-là ne meurt pas. L'amour est mort. Vive l'amour L'amour L'amour. Et quand même, on ne ferait que s'imaginer. Euh, Donnez-moi l'écran qui est là. Celui-là Non, euh, non, non, celui de Tafta. <laughs> voilà votre feu qui m'aveugle. Quand même, on ne ferait que s'imaginer qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une chose charmante mais je vous dis, c'est toujours la même chose. Et toujours nouveau, comme dit la chanson. Que voulez-vous donc qu'on invente Il faut apparemment qu'on vous aime en hébreu. Cette Vénus qui est là sur votre pendule, c'est aussi toujours la même chose. En est-elle moins belle, s'il vous plaît Si vous ressemblez à votre grand-mère, est-ce que vous en êtes moins jolie Bon, voilà le refrain. Joli <laughs> Donnez-moi le coussin qui est près de vous. Cette Vénus. Est faite pour être belle, pour être aimée et admirée. Cela ne l'ennuie pas du tout. Si le beau corps trouvé à Milo a jamais eu un modèle vivant, assurément cette grande gaillarde a eu plus d'amoureux qu'il ne lui en fallait, et elle s'est laissée aimer comme une autre, comme sa cousine Astarté, comme Aspasie et Manon Lescaut. Ah, monsieur, voilà de la mythologie. Non, madame. Mais je ne puis dire combien cette indifférence à la mode, cette froideur qui raille et dédaigne cet air d'expérience qui réduit tout à rien me font peine à voir à une jeune femme. Vous n'êtes pas la première chez qui je les rencontre. C'est une maladie qui court les salons. On se détourne, on baille, comme vous en ce moment. On dit qu'on ne veut pas entendre parler d'amour. Alors pourquoi mettez vous de la dentelle? Qu'est ce que ce pompon là fait sur votre tête? Et qu'est ce que ce coussin fait dans votre main? Écoutez, je vous l'avais demandé pour mettre sous mes pieds. Eh bien, l'y voilà et moi aussi. Et je vous ferai une déclaration, bon gré mal gré, vieille comme les rues et bête comme une oie, car je suis furieux contre vous. Voulez-vous me faire la grâce de vous ôter de là, s'il vous plaît Non, il faut d'abord que vous m'écoutiez. Mais vous ne voulez pas vous lever Non, non et non. Comme vous le disiez tout à l'heure, à moins que vous ne consentiez à m'entendre. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Marquise, au nom du ciel, cela est trop cruel, vous me rendrez fou, vous me désespérez. Cela vous passera au café de Paris. Non, sur l'honneur, je parle du fond de l'âme. Je conviendrai tant que vous voudrez que j'étais entré ici sans dessein. Je ne comptais que vous voir en passant, témoin cette porte que j'ai ouverte trois fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, vos railleries, votre froideur même, m'ont entraîné plus loin qu'il ne fallait peut-être. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui seulement. C'est du premier jour où je vous ai vu que je vous aime, que je vous adore. Je n'exagère pas en m'exprimant ainsi. Oui, depuis plus d'un an, je vous adore, je ne songe. Adieu. C'est la vérité que cette porte est glaciale. Ah. Marquise, vous vous moquez de moi. Vous, vous voilà debout. Oui, et je m'en vais pour ne plus jamais vous revoir. Et venez ce soir au bal. Je vous garde une valse. Jamais. Jamais je ne vous reverrai. Je suis au désespoir, je suis perdu. Mais qu'avez-vous Je suis perdu. Je vous aime comme un enfant. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus sacré au monde. Adieu. C'est moi qui sors, madame. Restez, je vous en supplie. Ah, je sens combien je vais souffrir. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez Mais madame. Je veux, je désirerais. Mais quoi Car enfin vous m'impatientez Vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse Et hériter de vos chapeaux roses Je vous préviens qu'une idée pareille fait plus que me déplaire, elle me révolte. Vous, marquise Grand Dieu, s'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds ce serait mon nom, mes biens, mon honneur même que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne parlez que pour me chagriner, mais avec aucune femme au monde. L'avez vous bien pu supposer? Me croyez vous si dépourvu de sens? Mon étourderie ou ma déclaration a t-elle donc été si loin que de vous faire douter de mon respect? Vous qui me disiez tantôt que vous aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi, n'est il pas vrai, marquise? Pouvez-vous penser qu'un homme ainsi distingué par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une si douce indulgence, ne serait pas ce que vous valez Suis-je donc aveugle ou insensé Vous, ma maîtresse Non pas, mais ma femme. Ah Eh bien, si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous serions pas disputés. Ainsi, vous voulez m'épouser mais certainement, j'en meurs d'envie. Je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose depuis un an. Je donnerais mon sang pour qu'il me fût permis d'avoir la plus légère espérance. Attendez donc, vous êtes plus riche que moi. Oh, je ne crois pas. Qu'est-ce que cela vous fait Je vous en supplie, ne parlons pas de ces choses-là. Votre sourire en ce moment me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot par grâce, ma vie est dans vos mains. « Je vais vous dire deux proverbes. Le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre. Par conséquent, nous causerons de ceci. »« Ce que j'ai osé vous dire ne vous déplait donc pas ?»« Mais non. Et voici mon second proverbe. C'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Or, voilà trois quarts d'heure que celle-ci, grâce à vous, n'est ni l'un ni l'autre, et cette chambre est parfaitement gelée. Par conséquent aussi, vous allez me donner le bras pour aller dîner chez ma mère. Après ça, vous irez chez Fossin. » Chez ça, madame, pourquoi faire Ma bague. Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Eh bien, votre bague, marquise Marquise, dites-vous. <laughs> eh bien, à ma bague, il y a justement sur le chaton une petite couronne de marquise. <laughs> Et comme cela peut servir de cachet, dites donc, comte, qu'en pensez-vous Il faudra peut-être ôter les fleurons Allons, je vais mettre un chapeau Complet de choix, comment vous exprimer mais fermez dans cette malheureuse porte cette chambre ne sera plus habitable.